Bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco sur Vive Aventure. J'ai fait 4000 km pour essayer de trouver un arbre qui est assez difficile à trouver. Pourquoi ? Parce qu'il ne pousse pas partout. Vous ne le verrez jamais en France, vous ne le verrez pas en Espagne, vous ne le verrez pas dans toute l'Europe. Il faut pour ça aller en Afrique du Nord, dans une toute petite région du Maroc pour le trouver. Il s'agit de l'arganier. L'arganier est un arbre merveilleux. Cet arbre particulier produit des noix qu'on appelle des noix d'argan. Ce sont des olives très très grosses, que je vais vous montrer tout à l'heure, qui produisent une graine à l'intérieur dont on extrait une huile qui possède des propriétés qui sont merveilleuses. Beaucoup de personnes connaissent déjà l'huile d'argan qu'on met dans la salade. C'est une huile qui a été légèrement réchauffée. On a fait torréfier très légèrement les graines pour donner un goût particulier à la salade lorsqu'on l'utilise. Mais l'huile d'argan a la propriété surtout lorsqu'elle n'est pas chauffée, lorsqu'elle n'est pas travaillée, elle a la propriété surtout d'entretenir la peau et de lui rendre un éclat vraiment magnifique. Je vais vous montrer un petit peu cet arbre particulier, c'est un arbre millénaire évidemment, et vous allez voir qu'il a des ressemblances avec d'autres arbres millénaires que je vous ai présentés, comme l'oléastre par exemple. Regardez le tronc de l'arbre ainsi que ses branches. Lorsque vous le regardez d'une certaine distance, il fait penser à un olivier ou à un oléastre par le fait d'avoir des branches un petit peu tortueuses et un tronc aussi tortueux, comme s'il avait vécu, comme s'il avait souffert pour pouvoir pousser. Du tronc, comme vous pouvez le voir, de très nombreuses branches se mettent à envahir l'espace autour du tronc et produisent, et c'est là où c'est assez marrant, produisent des petites branchettes à la fin qui se terminent par des aiguilles qui sont blessantes évidemment, auxquelles il faut faire très attention. Et cette façon de construire l'arbre est identique à celle de l'oléastre, qui est un arbre qui est millénaire, je vous l'ai déjà présenté, mais elle est aussi identique à l'aubépine, cet arbre qui produit en poussant des épines sur toute la longueur de ses branches. Vous pourrez noter en même temps que les feuilles de loin ressemblent aux feuilles de l'aubépine. Lorsqu'on s'en approche, elle ressemble tout simplement à des petites feuilles d'olivier, un tout petit peu plus allongées simplement. Ce sont des feuilles oblongues, relativement fines. L'arganier est un arbre sauvage que l'on trouve pratiquement essentiellement au Maroc. Sa zone géographique est située très au sud, entre Agadir et Taroudan, en remontant jusqu'à Essaouira et Marrakech, soit environ 820 000 hectares, essentiellement sur des terres semi-arides, voire arides. L'arganier est un épineux qui vit bien plus longtemps que l'olivier. Regardez ces spécimens qui font près de 7 mètres de hauteur. Cet arbre supporte des températures de près de 50 degrés l'été. Regardez ces troncs tortueux et travaillés par le temps. On lui a donné comme surnom le nom d'arbre de fer. Même l'écorce de son bois ressemble à la peau d'un dinosaure. Pourtant, 600 hectares d'arganiers périssent chaque année, au profit d'une culture intensive plus productive. Regardons cet arbre d'un peu plus près. Ses feuilles sont plutôt allongées, lancéolées, petites. Son bois et ses branches sont couverts d'épines. Quant à ses fruits, ils ressemblent à des olives qui brunissent petit à petit au soleil et qui donnent ses noix. Le fruit de l'arganier, comme vous le voyez ici, ressemble de loin à de grosses olives. Ici, nous sommes au mois de février, donc les fruits sont en formation.
Et les graines qu'elles contiennent ne sont pas encore formées. Elles seront formées beaucoup plus tard, car les noix d'argan sont récupérées en été, vers le mois de juillet. Évidemment, cela dépend un petit peu des régions, puisque la région, on va dire, les régions qui possèdent des arganiers sont représentées sur une relativement grande surface qui fait à peu près au moins 300 km de longueur. Je vais vous montrer ce que deviennent les noix lorsqu'elles mûrissent, juste avant qu'on les ramasse. Ici, il en reste quelques-unes de l'année dernière. Donc, ce sont des noix qui ont la taille d'une toute petite de nos noix françaises. Elles sont incorporées dans une coquille qui, vous voyez, est encore un peu ferme. Lorsqu'on enlève cette coquille, celle-ci enveloppe ce qu'on appelle la noix d'argan. Les arganiers ne produisent que très peu de fruits. Chaque arbre produit en moyenne environ 8 kg de fruits. C'est avec celle-ci qu'on fera ensuite l'huile. Chaque noix ne contenant qu'une à trois amandons. 100 kg de fruits mûrs ne donnent que 3 kg d'amandes. D'autres que nous apprécient les noix d'argan, mais aussi les feuilles. Regardez ces équilibristes. Une fois que les noix d'argan sont prêtes à être récoltées, elles sont brisées et voici comment sont les graines, les amandons. Ce sont des graines de la noix d'argan. 100 kg de fruits mûrs donnent 3 kg d'amandes, mais il faut 4,5 kg presque d'amandes pour faire 1 litre d'huile. À partir de ces amandons qu'on tire des noix d'argan, on produit deux sortes d'huile. Une huile qui va servir pour l'alimentation et une huile qui va servir en cosmétique. Dans la réalité, on peut consommer les deux huiles, évidemment. Par contre, elles ne sont pas produites de la même façon et les propriétés de ces deux huiles ne sont pas tout à fait les mêmes. Je vais vous expliquer rapidement pour que vous puissiez choisir celle qui vous correspond le mieux, celle que vous préférez. Il y a d'abord une huile dans laquelle on torréfie légèrement justement ces graines afin de donner plus de goût à l'huile. À ce moment-là, vous avez une huile qui va être légèrement plus brune que celle-ci et qui aura un goût de noisette beaucoup plus prononcé. On l'incorpore dans les crudités. Pourquoi ? Parce que ça donne un goût qui est assez particulier et qui est vraiment excellent. Avec l'avantage, lorsqu'on la mélange à l'huile d'olive, eh bien de produire ce que ces huiles possèdent en grande quantité, c'est-à-dire on incorpore ainsi des acides gras insaturés en quantité importante, acides gras que ne possède pas l'huile d'olive. Donc on fait une complémentation des acides gras qui sont dans la sauce, ce qui permet à l'organisme d'avoir une totalité des acides gras pour pouvoir nous alimenter. Cette huile est moins utilisable en cosmétique. Pourquoi ? Parce qu'elle a un arôme et un parfum qui est beaucoup plus important. En cosmétique, on utilise donc cette huile, c'est-à-dire on utilise les amandons, on les presse dans une machine, mais sans les torréfier, sans les chauffer. À ce moment-là, on aboutit à une huile qui, comme vous le voyez, est dorée. Et cette huile possède un arôme qui est moins fort, beaucoup moins fort, que celui de l'huile qu'on utilise dans les crudités. Par contre, cette huile possède des propriétés qui sont très supérieures à l'huile qu'on incorpore dans les crudités. C'est une huile qui est extrêmement riche en acides gras insaturés et en plus qui possède une quantité de vitamine E qui est extrêmement importante. Or, la vitamine E est reconnue depuis très longtemps comme étant une vitamine anti-vieillissement, c'est-à-dire qu'elle permet à la peau de reprendre de l'éclat et d'avoir une élasticité qui est beaucoup plus grande. D'autre part, la vitamine E permet en même temps la régénération de nombreuses autres vitamines et de substances qui permettent de prolonger le fonctionnement
que certaines fonctions organiques qui sont nécessaires dans le fonctionnement de notre corps. Je ne vais pas le détailler, vous pourrez toujours aller sur mon site dans lequel je donne des éléments supplémentaires pour pouvoir comprendre ce qu'il y a dans cette huile. En attendant, sachez qu'en consommant cette huile ou en l'utilisant par voie externe, on en bénéficie évidemment sur le plan de l'éclat de la peau, sur le plan de son élasticité. C'est une huile qui permet de diminuer les rides et les ridules de la peau et donne un éclat qui est vraiment super. Voilà. Je vous ai à peu près tout dit. Sachez que cette huile, vous pouvez malgré tout la consommer. Elle favorise le fonctionnement du foie, c'est-à-dire qu'elle améliore l'évacuation des déchets au niveau alimentaire et au niveau des petits poisons que l'organisme produit. Voilà, je ne vais pas être exhaustif dans l'explication des propriétés de cette huile. Vous pourrez retrouver toutes ces propriétés, je crois, sur Internet, si vous faites vos propres recherches. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'espère que vous pourrez aussi faire usage de cette huile. Vous savez que sur mon site, j'en propose, j'en ai pas des grandes quantités, mais par contre, je vais la chercher ici, chez ceux qui la font, chez ceux qui la produisent, et je sais qu'elle est excellente. Allez, portez-vous bien à toutes et à tous, et à bientôt dans une prochaine vidéo.